Heal me, yari injana munu yini mbazi gosebenshi abinu oreva batishanga yimani da chinga kaboko na wari kurokoka. 21 years of suffering, 21 years of wandering, 21 years of remembering. Dore imyaka makumyabiri n'umwe irashize, twebuka abacu twabuze, batuvuyemo tutabishaka. Imana ibahe iruhuko ridashira. 21 years of suffering, 21 years of wandering, 21 years of remembering. No more genocide in Rwanda, no more genocide in the world, no more, 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 no more. Merci, merci beaucoup. Ok, maintenant je serai à l'aise. Je peux parler comme ça? Oui. Vous m'écoutez? Bien. Ok. Je suis content parce que j'allais donner mon discours en anglais. C'est la première fois que je vais parler mon témoignage en français. La toute première fois depuis 2004. Donc, vous n'entendez pas? Oh. Allô? Ça va maintenant? Allô, allô? C'est bon? Ah, on avait, avant-hier, on avait parlé avec Olivier, il va traduire, il va interpréter. Et puis j'avais insisté, non, non, je vais parler en anglais parce que je veux que, c'est ça, je sais parler mon témoignage en anglais, je ne sais pas parler en français. Mais j'ai dit à Olivier, même l'anglais, ce n'est pas ma langue. Pour parler en anglais, je réfléchis en français. Parce que... Et puis je me suis contredit. Alors... Je remercie Annabelle, elle m'a encouragé, elle m'a dit, non, tu dois faire en français parce que... Tu parles bien français. Je lui ai dit, appuie dans ma chambre. Alors, j'ai prié hier. J'ai dit, Dieu, c'est très difficile pour moi, mais si tu me donnes ton Saint-Esprit, parce que je me rappelle, on a parlé des langues quand ses disciples... La première fois, le jour de Pentecôte, c'était les langues. Moi, je te demande pas des langues, je te demande le français. Donc, je n'ai pas de problème si je vais commettre des fautes. Je sais que lui, il va parler en moi. Donc, et je sais qu'il y a un esprit de pardon ici. Depuis, vous allez me pardonner si je commets des fautes. Alors, c'était en 1994, comme tout le monde le sait, nous avons eu un génocide horrible au Rwanda. J'ai perdu mes parents, mes trois frères et ma grande sœur. Ce qui m'a choqué ou ce qui m'a ruiné, c'est parce que tout le monde au Rwanda, si tu vas au Rwanda, tout le monde a perdu. Donc, ce qui m'a
m'a ruiné ma vie avant d'être ressuscité, comme je peux dire, c'est que Vincent, qui est, on a grandi ensemble, on jouait le football ensemble, et puis c'était non seulement un grand ami à moi, c'était un ami à mon père, c'est lui qui a tué mon père. Et puis, je l'ai su en mai 1994, j'étais en Ouganda, parce que les téléphones marchaient, c'était pendant le génocide. Mais il faut que je vous dise, avant le génocide, ce qui s'est passé, il y avait une guerre entre le FPR et le gouvernement rwandais. Et puis, le 4 octobre, on a mis presque tous les Tutsis en prison. J'étais parmi, j'étais très connu en tant que chanteur au Rwanda. Alors, j'ai fait 6 mois de prison. Et c'était en février, sous la pression de la communauté internationale, en février 1991, où on a libéré tous les prisonniers, mais chaque prisonnier devait rentrer chez soi. Alors, je me rappelle, c'était en février en 1991, je suis allé chez moi, et mon père, la toute première chose qu'il m'a dit, il a dit, écoutez, on va tuer les Tutsis. Tu es connu ici, tu es Tutsi, connu chanteur, tu dois quitter. Tu es connu au Burundi, en Ouganda, en East Africa, va là-bas, fais ta musique, tu dois quitter le pays. Mais je dis non, écoute, pourquoi quitter tout seul? Si on va te quitter, tuer les Tutsis, qu'on parte ensemble. Et mon père m'a dit, écoute Jean-Paul, j'ai 86 ans, j'ai fui le pays en 1958, en 1961, 1963, 1965, en 1973, je ne vais pas continuer ma vie à courir. Je veux vous protéger, allez-y, toi et Jean-Pierre, parce que mon petit frère aussi avait été en prison pendant 6 mois, il a dit, quittez le pays, moi je vais mourir ici. Ok, je me suis arrangé, j'ai vendu une voiture que j'avais, et puis je suis parti par le Burundi. Et puis quand je suis arrivé au Burundi, j'ai commencé ma tournée de musique. Je suis allé en Belgique en 93, je suis revenu au Rwanda en 94. Et puis le génocide, ça a commencé le 6 avril et ça a pris que 3 mois. 1 million de vies pendant seulement 90 jours. Je suis revenu au Rwanda 94 en juillet, le 22, je me rappelle, le 22 juillet, je suis allé dans mon village natal, pour voir ce qui s'est passé. Et ma maison était vide, vide, rien. Et on avait 2 maisons, la maison là où on vivait, mais une autre maison que mes parents louaient pour des gens. Et c'était tout vide. À la sortie, pour aller voir, demander les voisins ce qui s'est passé, un ami de notre famille, direct voisin, Emmanuel, m'a dit hey, « c'est Vincent, il est à court, il a dit Jean-Paul, c'est Vincent qui a tué ton père. » Puis il a commencé à me dire « écoutez, calme, calme, dis-moi comment ça s'est passé. » Puis il m'a parlé comment Vincent a tué mon père, et il m'a dit « écoute, comment ma mère est morte ?» Elle a dit « ta mère était dans les voisins, elle s'était cachée, elle allait d'ailleurs survivre. » Et puis quand elle a su que ton père est mort, elle est venue en courant, elle dit « Oh, tuez-moi aussi, qu'est-ce que je vais devenir seul sans mon mari ?» Et puis on l'a tué en mi-chemin. Et puis je dis « Qui a tué ma mère ?» On ne connaît pas celui qui a tué ta mère, ainsi que tes 3 frères. Mais ta sœur était tuée, elle était mariée avec un Hutu, était mariée avec un Hutu à Kigali, elle est morte à Kigali. Bon, donc, 94, jusqu'en 2002, la première chose que j'ai fait là-bas, chez moi, quand j'ai appris toutes ces nouvelles, j'ai pris une bouteille de whisky. Et puis j'ai composé une chanson, « Dieu, où étais-tu ?» Parce qu'on a un proverbe dans notre langue, « Imana yirwahandi gata yirwanda » Dieu, God spends away and comes back home to Rwanda. Dieu passe la journée ailleurs, mais il rentre le soir au Rwanda. C'est un proverbe connu. Puis j'ai fait la chanson directe et les mots. Pourquoi tu as laissé Jean périr? Pourquoi? Si tu existes, pourquoi tu
tu as permis que les gens meurent comme ça. Je l'ai, avec ma bouteille de whisky et le stylo, puis j'ai composé une autre qui est directement, les mots sont venus, les larmes, la colère. Le jour suivant, j'ai composé une autre, Bimazi Kikouar. Ce sont des chansons qui sont sur le CD. C'est Bimazi Kikouar, quoi ça sert de vivre. C'était très une chanson, ces deux chansons-là. Bon, jusqu'en 2002, je suis devenu un alcoolique, addicted. Je prenais les drogues, je prenais, jusqu'à ce que j'étais en addiction. En 2002, je ne pouvais plus chanter même devant les gens. Je ne pouvais plus. Alors, je suis allé en Ouganda, parce que j'étais connu en Ouganda, parce qu'au Rwanda, il n'y a personne qui pouvait me donner des contrats ou avoir confiance en moi. On disait, il est fini, lui, il est fini. Puis je suis allé en Ouganda. Je dis, peut-être ici, je peux avoir la vie. J'ai chanté, ça ne marchait pas, on m'a donné des contrats, je n'irai pas. Des fois, j'irai sur scène, au lieu de chanter, quand on vient de me présenter comme tu viens de faire, j'étais en parterre, je peux pas prendre le micro, je peux pas chanter tout le temps en prison parce que j'ai pas payé mes factures au bar. En un moment où j'attendais mourir, c'était la prison dehors, la prison, les gens payaient pour que je sorte de la prison et après je rentre en prison encore. Je prenais beaucoup de drogues stupéfiantes là. Et puis je voulais me tuer aussi parce que j'avais cette envie. Je n'avais pas le courage de me tordre, de faire comment les autres font pour se tuer. Mais moi, je me disais peut-être que je prendrais une bouteille de waragé ou de... Et puis peut-être une fois, j'aimais prendre ça, les drogues, et rester dans un endroit. Je me dis peut-être demain matin, je vais mourir. Et après, je me voyais comme ça, réveillé, mais je ne pouvais rien faire. En Afrique, ce n'est pas comme ici. Si tu veux boire, il y a des endroits où tu peux aller boire sans payer. Ici, tu dois payer. Et là-bas, tu peux aller, là-bas, les gens payent pour toi. C'est comme ça. Ben, une fois alors, les gens ont dit, Jean-Paul va mourir. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est un vraiment des proches amis. Il y avait un autre ami qui est venu du Rwanda, surtout pour m'aider à sortir de ce... ils ont prié pour moi, ils m'ont amené quelque part. Ils ont dit, mais ils priaient pour moi, pas pour qu'il y ait un miracle, pour que je guérisse. Non, ils disaient, il va mourir, il est en train de mourir. On prie pour lui pour que... Vous savez, quand quelqu'un va à l'hôpital, on va prier pour toi, pour que Dieu te reçoive, ton âme, parce que tu es mourant. C'est pas parce qu'il voulait qu'il y ait un miracle que je sois libéré ou je sorte de ces problèmes. C'était pour que, comme ça, que Dieu l'accueille, qu'il le pardonne de ses péchés, donc on va prier pour lui. Il est mourant. Et ce qui s'est passé, il passait un miracle. Le moment où il priait pour moi, moi j'ai entendu une voix. J'ai pris un sommeil. Et cette voix disait, tu as un seul problème. C'est toi qui tu es en train de te tuer. Tu dois être libéré. Tu dois sortir de ce... Je suis en train de traduire comment ça disait dans... C'est dans ma langue. Tu dois t'aimer. Tu es en train de tuer toi. Tu es en train de te suicider. Pourquoi? Tu n'as pas créé. Tu t'es pas créé. C'est pas ta vie. Ta vie appartient à Dieu. Alors, tu n'as pas droit à tuer une créature qui est toi. C'est l'amertume, c'est la colère, c'est ça qui te tue. Tu bois parce que tu détestes, c'est la haine. C'est ce que j'ai dit là, quand je j'étais sur scène, je sentais ton véritable ennemi. J'ai écouté cette phrase, ton véritable ennemi, ce n'est pas celui qui t'a fait mal. C'est pas ta femme, parce que j'avais un problème, c'était pas seulement Vincent qui a tué mon père, c'était aussi... j'avais quitté ma femme au Canada parce qu'elle m'accusait que le deuxième enfant, on a un enfant handicapé, qui est né en 86, 96, après le génocide, l'enfant
ne voit pas. L'enfant, notre Claudia, c'est ma fille. Elle part dans une chaise, vous connaissez ses enfants handicapés. Elle était née avec une déficience intellectuelle. Donc, elle ne peut même pas manger. On met un tube ici pour qu'elle... Donc, elle ne mange pas. Elle ne peut pas reconnaître tu es son père, ses frères, non. Elle est là. Elle est née comme ça après le génocide, donc, parce que je me suis marié en 95, après le génocide. Et puis, j'avais des problèmes avec ma femme, disant, c'est toi, c'est à cause de ton amertume, c'est toi, tu vois ce que tu m'as donné. Et puis après, j'ai dit, écoute, si c'est moi, alors je te laisse. Reste au Canada, je t'ai amené au Canada, c'est l'hôpital, peut-être l'enfant va guérir, moi je pars. Je suis parti en Afrique. Donc dans les 9 ans, il y avait le Canada, ma petite Claudia, je reviens là-bas parce que c'est... Des fois, je n'en parle pas. Parce que ma fille Claudia, quand je fais le témoignage, des fois, j'en parle pas. Maintenant, ça vient, j'en parle. Donc, et puis, j'ai laissé ma famille au Canada, je m'étais séparé avec ma femme. J'ai dit, je suis un homme sale qui te salit avec des enfants handicapés. Donc, tu vois, donc, je me haïssais, je me détestais. Parce que quand elle a dit ça, j'ai accepté. J'ai dit, oh, c'est moi. Donc, Claudia est comme ça à cause de moi. Et puis, je dis, j'ai accepté ça. J'ai dit, OK, je te laisse. Tu cherches un autre mari qui ne peut pas te salir. Moi, je vais me tuer encore. Tout ça, quand je pensais, c'était en 2002, parce que j'avais quitté le Canada en 2000. Parce que j'étais allé au Canada seulement pour aider, pour voir si l'enfant va. Là, il y a aussi au Canada, comme il y a des... un pays de justice sociale ou la santé. Bon. Et puis, quand on a su que l'enfant ne vivra pas, elle a maintenant 19 ans, elle est comme ça. Elle est toujours comme ça, on la rend visite dans un centre. Où... Alors, je reviens. Ça ne faisait pas partie, mais c'est bien, je suis content que j'en parle. En français, d'ailleurs. Alors... Tout ça, le génocide, Vincent tuait mon père. Je ne pouvais pas le pardonner. Je voulais même, écoutez, de ces 9 ans, depuis 1994 jusqu'en 2002, je voulais tuer Vincent. Je ne savais pas comment tuer, je n'ai jamais tué. Je ne savais pas. Comme il était en prison pendant toutes ces années, et puis je dis, est-ce que je peux me venger? Comment je le ferai? Et puis je me tuais en buvant des... Il n'y a pas de nom pour dire les boissons là, alcooliques qu'on prend. Il y a une boisson qu'on appelle Kanyanga au Rwanda, ça se fait par distillation. C'est comme le gin... Tu prends le gin et puis tu prends le vodka, tu mélanges. On n'a pas de nom. On n'a pas de nom, mais c'était... Ouais, c'est comme tu... C'est une... Je buvais ça le matin. Je tremblais et puis je buvais à 8 heures. Je devais prendre pour que je sois moi. Alors... Ma fille Claudia, ma femme qui me disait « c'est toi qui m'as donné un enfant comme ça ». Donc, je me disais « voilà, c'est moi ». Je voulais toujours, avant, pour que, quand je pensais à ça, je prenais cette poisson. Et puis après, j'étais sourd, donc je n'avais pas à penser. Donc. Alors, quand j'étais sur le point de mourir, je reviens là-bas où ces gens-là priaient pour moi, j'ai entendu cette voix. Il me disait, regarde ce que tu as fait. Tu dois pardonner même ta femme. Comme ça, tu vas guérir. Tu dois pardonner Vincent. C'est ça, ta guérison est ça. Il ne faut pas te tuer avec des boissons. Tu es en train de te tuer. Au moment où il priait, il prenait la main. Accueille Jean-Paul. Il vient. Accueille Jean-Paul. Et moi, j'entends la voix qui me dit, non, tu es vivant.
tu n'as qu'à seulement dire, Vincent, je te pardonne, tu n'as qu'à dire ta femme, Claudia, ta femme a eu des problèmes psychologiques. Elle avait honte seulement qu'elle a eu un bébé comme ça, elle doit attribuer à quelqu'un. Donc à toi, parce que c'est toi, vous partagez cet enfant. Donc elle aussi, c'est une personne. Et puis elle te demande pardon, parce qu'elle me demandait pardon quand j'avais quitté le Canada. Elle n'a fait que demander pardon 2 ans. Moi, je disais non, cherche un autre homme. Mais je suis ici d'ailleurs, moi je suis dans le débauche. D'ailleurs, je suis fini, je vais mourir, non, ne pense pas à moi. Et puis elle, on lui avait dit, priez pour ton mari, priez, il va être bien. Et puis quand ils ont fini de prier, moi, je leur ai dit, écoutez, vous avez entendu la voix? Parce que je me suis réveillé. Elle a dit, quelle voix? Moi, pendant que vous priez, j'entendais une voix qui me disait, tu es bien, tu dois t'aimer, beaucoup de choses. Elle m'a dit, tu dois pardonner. Mais j'ai dit, comment? Je ne peux pas pardonner. Elle a dit, qui a tué mon père? Ah non. Alors, ils ne comprenaient pas. Alors, ils m'ont dit, Jean-Paul, tu vas continuer à prier. Alors, si tu entendais une voix, c'est Dieu qui t'a parlé. Mais non, mais c'est pas du parce qu'il m'a parlé de mauvaises choses. Quoi? De pardonner? Non, je peux pas. Et puis je disais non, je veux même pas entendre cette voix parce que non. Après ce qui s'est passé, bon, c'est une longue histoire. Il me faut toute une journée pour parler de ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment la guérison qui commençait. Et puis j'avais 40 ans. C'était en 2003. Quand ça s'est passé, cette prière, et puis après, je me suis dit, écoutez, j'ai arrêté de boire, j'ai pris une décision, pas de drogue, la chanvre, je prenais beaucoup de choses liées à la chanvre, il y a d'autres choses là, il n'y a pas de nom en français là, ce sont des petites drogues qu'on prend au pays. Tout ça, j'ai arrêté. Arrêté complètement. Je me rappelle, le 15 mars en 2003, c'est là où j'ai dit non. Et puis le 15 mars, je suis né le 15 mars. Et chaque fois, je dis pourquoi j'ai pris cette décision. Parce que la voix, je l'avais écoutée avant. Et puis je suis allé dans une montagne où on ne fait que la prière. J'ai pris mon portable téléphone et j'ai dit non. Je l'ai jeté. J'ai dit non, je vais rencontrer ce Dieu. S'il existe, parce que j'étais athée. Athée, comment on dit? Moi, j'étais dans le petit séminaire quand j'ai étudié. Mais je n'avais pas réalisé que je peux entendre une voix, je n'avais pas vu un miracle. J'étais catholique, j'étais même dans une école d'instituteurs en Pentecôte. C'est là où on m'avait donné mon diplôme. Je n'ai fait que la musique, maintenant je suis instituteur. On nous appelait moniteur dans notre pays. Je devais enseigner l'école primaire. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais devenu musicien avant même que je termine. Mais j'étais... Mes parents étaient chrétiens, mais je croyais pas en Dieu. Je faisais parce que mes parents disaient aller à la messe, mais en moi, je me dis non, je ne peux pas croire quelque chose que je ne vois pas. Alors j'ai commencé, je me suis dit non. Si c'est parce que tout le monde me disait c'est Dieu qui t'a dit ça, si t'a révélé, tu as la chance, tu as écouté Dieu. Je me dis, non. Il ne m'a pas dit des choses que je veux, il m'a dit des choses. Non, c'est Dieu te dit des choses que tu je ne suis pas confortable. Mais ce miracle m'a poussé à aller plus loin. Bon, j'ai quitté la ville de Kampala. Je suis allé dans une montagne, c'est une montagne connue, de prières, des miracles. Les gens, il y a des miracles sur cette montagne. Ça s'appelle Segukum Prayer Mountain, en Ouganda. Peut-être vous connaissez ça. Bon, je suis allé là-bas, j'ai fait 3 mois. Seulement, qu'est-ce que je voulais? Moi, je voulais seulement tester si cette voix que j'ai écoutée, c'est Dieu. Tester et puis voir si Dieu existe. Et puis, moi, je ne voulais pas être prêché. Je dis non, je ne veux pas qu'on me prêche. Je ne veux pas qu'on me dise, parle de Dieu. Je veux le voir seul. Maintenant, j'ai eu un petit miracle. Là, je vais voir, je vais parler. Je vais aller de cette montagne. Parce que je me combattais avec cette idée, parce que j'avais arrêté de boire, j'avais arrêté tout, mais je sentais que vraiment, il y a quelque chose en moi qui s'est passé, le fait d'avoir arrêté. Et puis, j'ai accepté même d'être baptisé. On m'a baptisé dans le lac. J'ai dit OK, parce que j'avais quelque chose là qui me poussait, mais une chose, tu disais OK, quand même, tu as eu son petit miracle. Et suis, mais je me disais OK. Mais
quand je commençais ma prière moi-même, avec la Bible en lisant, la première fois que je commençais à parler une prière, j'ai dit, si tu existes, dis-moi, pourquoi tu as permis le génocide? Pourquoi c'est les chrétiens? Parce que j'étais contre les chrétiens. Parce que si je veux vous le dire, si je le dis au Rwanda, j'ai des pierres, je vais vous le dire. Le génocide a été possible au Rwanda, pas à cause des politiciens. C'est à cause des chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. On n'aime pas que je dise ça là-bas, mais je vais dire la vérité. Parce que les gens, tous les gens qui ont tué les autres, c'est qui? Les gens, c'était les Hutus qui ont tué les Tutsis. Mais tous ces Hutus, 90%, c'était des chrétiens. Donc, la Bible dit quand tu es chrétien, tu n'es plus Hutu, tu n'es plus Tutsi, tu n'es plus français, tu n'es plus romain, tu es seulement chrétien. Alors, pourquoi? Et puis, ça a été possible à cause des chrétiens parce que les gens fuyaient dans des églises disant « Ah, ici, ça, dans l'église, donc je ne vais pas mourir. » C'est eux, c'est là-bas où on a tué beaucoup. Alors, j'étais enragé. Cette colère que j'avais pour ma femme, j'avais pour Vincent, j'avais pour des chrétiens, jusqu'à ce que, d'ailleurs, je vais vous dire, quand j'ai... Je crois que c'est hier que j'ai pardonné même des chrétiens. Bon, j'ai pardonné tout le monde, je vais vous dire après. Mais j'avais ce problème. J'allais demander à Olivier, parce qu'hier, il a dit, on peut pardonner tout. Parce que ça, c'est une question pour moi, parce que les chrétiens, là... Tu vois? Ou bien soi-disant chrétien, parce que, tu vois? C'est ça. C'est ça, le soi-disant? Voilà, le français revient. Tu vois, quand tu pries, le Saint-Esprit m'a donné ça. Alors, j'étais... Et puis je disais... Les autres, quand ils prient, ils font comme ça, Dieu... Je dis... Ok, moi j'étais comme ça. Dis-moi, tu es Dieu. Bon, là-bas, à la montagne, tu peux avoir une brousse. Vraiment, c'est grand, c'est très beau. Et tu peux avoir un endroit à toi seul. Alors, puis j'étais comme quelqu'un qui est prêt à se battre. Toi, tu dis, tu es Dieu, tu as créé. D'ailleurs, pourquoi tu m'as créé? Je ne t'ai pas demandé de me créer. Je dis ça vraiment. Il y a une chanson même qui dit ça. Je ne t'ai pas demandé de me créer, moi. Pourquoi? Pourquoi je dois souffrir? Tu m'as créé pour souffrir? Écoute, pourquoi Vincent? Pourquoi tout ça? Pourquoi Claudia? Pourquoi Claudia? Elle ne peut pas connaître son père. Pourquoi? Chaque fois que, quand je recevais une réponse de Dieu, je devais fermer, même si je ne pouvais pas fermer les yeux se ferment comme ça, comme pour dormir. Une minute ou deux minutes, j'entends et vois. Le pardon est pour toi, ce n'est pas pour l'autre. C'est pas pour. Forgiveness is for you, not for the offender. Le pardon est pour toi, pas pour l'offenseur. Oui. C'est pour toi. Toujours ce mot venait. Et puis, il y a des versets de la Bible qui m'ont convaincu. Matthieu 5, 46. Parce que moi, je disais dans ma prière, « Ok, je veux être un chrétien, pas comme les autres. Je suis venu ici, je veux, montre-moi comment être chrétien. » Parce que je ne veux pas, les chrétiens, on le sent dans leurs mains. Je sais ce qu'ils ont fait au génocide. Comment est-ce que je veux pas être comme eux? Comment? Eh bien, par après, je fermais les yeux et puis j'entends, « Si tu ne pardonnes ceux qui t'ont offensé, Dieu ne te pardonnera pas. » Alors que je voulais demander le pardon à Dieu, il me dit, tu dois, c'est la condition, tu dois pardonner les autres, donc tu es pardonné. Après, tu es pardonné. Le verset 46, Matthieu, c'est ça qui m'a poussé. Il me disait toujours, attends, je vais traduire. Matthieu 5, 46. If you want to be God's children, de Dieu. You need to love your enemies. Tu dois aimer tes ennemis. Ouais. Priez pour tes ennemis. Bénis tes ennemis. C'est ça, être chrétien. Un chrétien, pour moi, là-bas, c'est le challenge. La voix me disait, si tu veux être un bon chrétien, tu dois aimer tes ennemis.
tu dois prier pour eux. Je dis, ah, comment tu peux? Donc je dois prier pour Vincent, qui a tué mon père et ma mère. Je dois le bénir. Ah. Et puis, ce qui est, il y a 46, ça dit, si tu salues tes frères seulement, qu'est-ce que, what reward are you going to have? Quel mérite as-tu? Si tu aimes ce qui t'aime seulement, quel mérite? C'est ça qui m'a transformé. Donc, si tu veux être un bon chrétien, tu dois aimer tes ennemis. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui aime, pay period, c'est quelqu'un qui aime ses ennemis, qui aime son prochain comme soi-même, mais qui aime aussi ses ennemis, qui bénit ses ennemis, pour être appelé le vrai chrétien. C'est ce que je voulais. Je disais, Dieu, j'ai 40 ans, je veux changer. Maintenant, tu as fait un miracle, on va prier pour moi. Je veux faire quelque chose, je veux être un bon. Et puis, il me donnait toujours des choses difficiles. Les versets, tu dois aimer. Bon, par après, tu sais, quand tu ne peux pas entrer en guerre avec Dieu, il finit par réussir toujours. J'ai accepté. J'ai dit, d'accord, oui. Depuis, quand j'ai dit oui, en mars 2003, sur cette montagne, j'ai senti une paix que je ne peux pas vous décrire. J'étais content, j'étais dans la joie, je pleurais, j'ai dansé, j'étais totalement guéri. Et ça m'a donné la force de retourner au Rwanda. Cette année, j'avais eu beaucoup d'awad. Il s'est passé des miracles. J'ai eu un grand award que je n'avais même pas eu avant, Core Award. Je suis allé aux États-Unis avec une maison de disques. Et puis directement en 2004, j'ai gagné une compétition internationale. J'ai pu amener mon groupe aux États-Unis. Et puis, il y a des choses qu'on a en Rwanda, des tribunaux, des gachachas, tribunal traditionnels, où les gens vont accuser. Où il parle de ce qui s'est passé au génocide. Directement, j'ai quitté les États-Unis parce que je disais, non, je suis guéri, mais ce pardon-là, je suis en train de parler aux États-Unis, du pardon, mes chansons, c'est le pardon, l'amour, puis il faut que je fasse quelque chose au Rwanda. Donc, je suis allé dans ce tribunal, dans ma village natal. Puis les gens m'ont vu, et Jean-Paul est venu, il a eu des awards des États-Unis, tout le monde voulait me voir, les journalistes m'ont suivi. Et je suis allé dans son grand tribunal, et tout le monde est là, les survivants de génocide, Vincent était là, il venait de la prison, parce que j'avais contacté la femme de Vincent avant, je voulais visiter Vincent en prison pour lui dire que Dieu m'a dit de le pardonner. Parce que sa femme l'avait dit, Jean-Paul veut te pardonner. Elle a dit, non, 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 je connais. Un tout petit m'a pardonné, non, non, il y a une politique derrière. Et puis Régine, sa femme, elle disait, non, écoute, Jean-Paul n'est plus le même. Il m'a dit d'ailleurs que c'est Dieu qui lui a demandé de te pardonner. Alors, parce que c'est Dieu qui veut aussi te pardonner, tu vois. C'est pas lui, c'est Dieu. Elle a dit, ah, ok, d'accord. Alors, pendant ce tribunal, devant les gens, c'était comme ça, les gens comme ça, une salle comme ça d'ailleurs, avec un micro, j'ai parlé. Parce que le tribunal Gachacha au Rwanda, comme beaucoup de gens savent, c'est là où tout le monde vient. Le village, les gens qui ont commis le génocide, ils sont là. Les témoins sont là, les survivants sont là, et puis on se dit, qui a tué, quelle famille? Et puis les gens qui t'ont vu, les gens qui connaissent, ils disent. Et puis tout le monde voulait savoir ce que Jean-Paul allait dire, parce qu'il croyait que j'allais accuser. J'ai dit, c'est Vincent qui a tué Samputu, c'est Eugène, c'est Nyirimana. Il y avait 4 personnes ils étaient là. Et puis tout le monde, comme je suis connu dans ma ville comme un artiste depuis l'enfance, tout le monde était content et notre star est venue et tout ça, et les journalistes étaient là. Alors, quand j'ai pris le micro, quand j'ai dit ce qui s'est passé, je dis, tout ce qui s'est passé, pas
Je n'ai pas dit, moi, je suis venu pardonner. Non, j'ai dit, comment ça s'est passé, le miracle, les gens qui ont prié pour moi. C'est ce que j'ai dit, ce que je viens de vous dire. Directement, Vincent, il était dans la foule. Après, on s'est salué. Mais les gens qui sont dans mon itinétouti, les cousins, tout le monde est parti, tout le monde ne voulait pas me voir. C'était horrible. J'ai perdu les amis, c'était dans les villes, partout, gens pour nous attraper. Comment? Parce que j'étais le seul Tutsi, la première fois, un Tutsi, venir et dire, je ne suis pas venu accuser, je suis venu pardonner. C'est comme ça, Dieu m'a dit de pardonner, je le fais, je sens maintenant guéri, je suis OK, j'ai rempli la mission. J'ai pardonné Vincent. Vincent, on est allé dans un hôtel, on a partagé un meal, nous avons mangé ensemble, nous avons parlé. Les journalistes étaient là, filmaient tout. Et puis je l'ai mis à côté. Je dis, Vincent, écoutez, maintenant qu'on s'est parlé, dis-moi, où est-le? Je veux voir le corps de mon père. Où est-ce que vous l'avez enterré? Parce que c'est ce que je veux, comme ça je peux. Il m'a dit ça. Il m'a dit, parce qu'en Rwanda, on vous dira, les gens qui n'ont pas pu avoir les corps pour les... Ils souffrent toujours. Mais moi, j'avais la chance de savoir où il est. Quand on a enterré mon père, il y avait même sa carte d'identité dans... Parce que ça, c'est les os. Mais son... C'est quoi? Veste était là. Et puis, on a pris la carte d'identité. Donc, on sait que c'est lui. On a pris tout. On a fait une... C'est comme une fête. C'est le pardon, sans le pardon, je ne pourrais pas faire ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Vincent et moi, ce n'était pas fini. On a fait une conférence comme celui-ci, les conférences comme ça, au Rwanda. La toute première, en 2009, l'autre en 2012, où les gens comme Marina sont venus, elle était ici l'année passée, je crois. Donc, on a parlé du pardon, Vincent parlait de comment il a tué mon père, in front of people, devant les gens, et moi je disais comment je l'ai pardonné. On était ensemble, il parlait, je parlais, on a refait, mais tout ça, ne croyez pas que, même si on faisait ça, on avait toujours les gens derrière qui veulent. Tu vois, c'est pas facile. Mais on avait cette force. Le pardon, quand tu as le pardon a une force que tu ne peux pas décrire. Tu dois d'abord ne pas avoir peur. Si tu as peur, tout est fini. Il ne faut jamais avoir peur. Moi, je veux vous le dire ici, jamais. Je n'ai aucune chose qui me fait peur. Jamais. Et puis, je déteste la peur. Et puis, je ne peux pas, parce que j'y vais toujours, même au Rwanda. Des fois, on me dit au téléphone, ne viens pas, on va te tuer. Je dis, on va me tuer deux fois. J'étais mort avant. Me tuer, moi? OK, je viens. Je viens. Je fais tout. Je fais des conférences. Toujours les conférences que je faisais, on disait, ça ne va pas se faire. Et puis, notre gouvernement est appelé gouvernement d'unité et réconciliation. Une fois, un grand directeur des survivants a dit « Jean-Paul doit être en prison parce que Jean-Paul, il impose les gens à pardonner. » Parce qu'il voulait que je sois en prison. J'étais au Rwanda et puis tout le monde, tous les grands politiciens, Tutsi, ils disaient « Yes, on doit le mettre en prison parce que c'est pas ça. » Alors, chaque fois on disait ça, les gens avaient peur. Puis c'était difficile, j'entre dans un bar, les gens ne peuvent pas me dire bonjour. Non. Mais je veux vous dire, il ne faut jamais écouter des voix quand tu sais que tu fais une bonne chose, même si tu as des voix qui te disent ne fais pas ça, continue. Il ne faut jamais avoir peur. Des fois, je connais, il y a des gens qui ont cette idée ou ce choix de pardonner, mais ils ont peur des voix qui disent non. Continue, pardonner c'est bien, c'est pas mauvais. Pardonner, le pardon est pour toi, c'est pas pour l'offenseur. Le pardon, can you explain English? I want to say,
what that means. The forgiveness means to liberate from the bondage. Le pardon signifie se libérer d'un lien, the bandage, la prison. Wow. It's a process of getting out of our prison. Le processus qui consiste à sortir de sa prison. Well, of our prison of hatred. La prison de la haine. Bitterness. De l'amertume. Anger. De la colère. Resentment. Ressentiment. And the desire of revenge. Et du désir de vengeance. Le pardon est pour toi, pas pour l'autre. Donc, je crois que je viens de finir, mais avant peut-être de vous donner, s'il y a des questions, si j'ai encore le temps, je peux jouer encore une chanson, n'est-ce pas? De pardon, sûrement. Pardon est pour
toi, pour toi, le pardon est pour toi. Merci, 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 merci à tous. J'ai un problème avec Vincent. Moi, non. Alors, je ne sais pas comment le formuler, mais je suis plein de questions. Comment ça se passe entre vous? Est-ce qu'un jour, il a fait quelque chose vers toi ou vers Jean-Pierre? Comment c'est possible? Moi, je ne peux pas. Mais si je peux, tu peux. Il ne faut pas dire « je ne peux pas ». Parce que si Jean-Paul peut, tu peux. Je suis un human being like you. Je suis seulement un être humain comme toi. Je n'ai rien plus que toi. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Et puis, je t'ai dit, j'ai pas de problème avec Vincent parce qu'on se parle même avant de venir. Il sait ce que je fais ici. D'ailleurs, j'aimerais, la prochaine fois, il faut l'inviter pour qu'il soit là. Je vais te dire quelque chose, ça va te répondre à ta question. J'avais des problèmes avec Vincent. Tu sais, lui, il a fait 10 ans en prison. Prison, il mangeait. En prison, il mange. Les gens en prison ne se saoulent pas. Ils mangent. On a un problème seulement qu'on est en prison. Mais la prison dans laquelle j'étais, elle était plus horrible que celle de Vincent. Donc, Vincent, il mangeait. Moi, je ne mangeais pas. Je me tuais chaque jour avec les boissons, les drogues. Et à un moment où les gens ont prié parce que je mourais. Vincent était en prison, oui, mais il réfléchissait, il mangeait, il faisait. Et puis une autre chose, moi j'avais Vincent partout. Il a tué mon père, Vincent. I was carrying it. Je le portais. Et quand, même quand je suis devenu chrétien, sans boisson et tout ça, je le portais toujours. Parce que je me rappelle, Dieu m'a dit, non, tu n'es pas guéri until you forgive. Jusqu'à ce que tu pardonnes. Donc, jusqu'à ce que tu soulèves Vincent
tu le mets par terre. Donc là, donc je n'ai pas de problème avec Vincent. Tu, please, n'aie pas de problème avec Vincent. Je vais lui dire que tu n'as plus de problème avec lui. Merci, 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 c'est une bonne question. Ça me permet de dire ce que je n'avais pas dit dans mon discours. C'est vraiment bien. Merci Jean-Paul. J'ai compris que tu es mon frère. Oh, merci, merci. Et ton chant, je le prends comme un hymne, mon hymne national intérieur. Oh. Merci. Oh. C'est touchant, c'est vraiment touchant. Que Dieu te bénisse, vraiment, c'est... ça va droit au cœur. J'ai eu la chance de faire un atelier avec toi. C'était merveilleux. Et grâce à toi, et grâce à tout le monde ici, je vais arriver à pardonner à mon ex-mari. C'est toi qui m'as conseillé de lui écrire une lettre. Et quand tu m'as dit hier soir, fais-le pour toi. Je croyais pas que c'était si fort. En entendant ton témoignage, je me suis dit oui. J'ai besoin de le faire et pour mes enfants. Et ce que j'ai entendu ce matin par rapport au mobile, si je ne laisse pas la place à celui qui était dans mon cœur, si je l'enlève du mobile, eh ben on est bancal. Et je voudrais te dire un grand, grand merci. Et tu m'as donné la chance d'arriver à ouvrir mon cœur, à t'entendre dire toute ton histoire. Et un grand merci à tout le monde, parce que c'est toute cette énergie ici. Je me demandais ce que je venais faire ici exactement. Mais quand j'ai passé la porte de consolation, je savais déjà que ça allait être très fort. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Merci Olivier, merci Annabelle. Le travail que j'entreprends maintenant, c'est d'aider les gens par rapport justement aux ancêtres qu'on parlait ce matin avec Martine, qu'on peut aussi libérer dans notre corps. Parce que j'ai dit une phrase qui t'a beaucoup marqué, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et ça s'imprime dans notre corps. Ouais. Et je suis là, je libère les corps maintenant, et je sais à quel point cette phrase va résonner encore plus dans mon cœur pour les libérer. Et je te remercie, je remercie tout le monde. Quand on était main dans la, avec les mains, quand on était dans l'atelier, elle a pleuré quand elle parlait, parce qu'on nous a dit, c'est Catherine qui nous a dit... Tu dois fermer les yeux, tu parles. Et moi, j'écoutais, j'écrivais. C'est comme ça qu'on fait dans l'atelier. Et puis, elle a pleuré. Quand elle a pleuré, j'ai pleuré. Et puis, je lui ai dit, après, au Rwanda, dans notre culture, normalement, des hommes, on a un proverbe qui dit « Amarira yumugabo atemba ajamunda ». Il y a une Rwandaise ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Les larmes d'un homme ne coulent pas ». Vont directement dans les entrailles. Oui. C'est... Normalement, un homme ne pleure. Tu ne dois pas pleurer, tu es un homme, tu vois. Mais c'est mauvais. C'est... Il y a des cultures, oui, tu vois. Même, je suis sur scène ici, normalement, je ne dois pas pleurer. Mais tu me fais pleurer. Donc, et puis, je ne sais pas si Olivier, quelqu'un dit, quand tu pleures, c'est bien. C'est...
Mais pour des Rwandais, un homme, c'est les femmes qui pleurent chez nous. Les hommes ne pleurent pas. Les hommes, tu dois... Je me suis battu pour ne pas pleurer. Tu me fais pleurer. Merci. Je te pardonne de m'avoir fait pleurer. Et moi aussi, je peux me présenter. Je m'appelle Marilyn et je viens de la Suède. Je suis rwandaise. Et je dirais, comme une sœur de Jean-Paul, c'est un grand ami à moi. Il m'a beaucoup inspirée dans beaucoup de choses. Et je bénis l'Éternel parce que je l'ai dans mon entourage. Et c'est bien lui qui m'a invité ici. Et c'est pour cette raison que je suis ici. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie. Et ma naissance et tout, c'est une longue histoire. Je ne sais même pas si je peux avoir le temps pour tout raconter. Mais j'avais du mal à pardonner mon père qui a fait souffrir et ma mère. Et moi-même, je suis victime de ce qui s'est passé au Rwanda, de génocide. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu beaucoup de personnes de ma famille. Et ça a été très lourd à porter et très difficile à pardonner. Mais aujourd'hui, je peux te dire merci, Jean-Paul, du fond du cœur, parce que tu m'as parlé beaucoup du pardon et j'avais du mal à saisir ce que tu me disais. Mais je pense que tout se passe au bon moment. Je ne pouvais pas me forcer, je ne pouvais pas forcer ma nature pour pardonner parce que ce n'est pas automatique. Et toi-même, tu l'as dit que ça t'a pris du temps pour pardonner et tu as eu cette force intérieure qui a émané de ta personne, qui a fait que tu dégages ces ondes positives, malgré que parfois on peut être victime des bonnes choses qu'on fait, comme tu l'as fait, mais tu as dit non, je dois affronter la situation et aller au-delà de mes peurs pour pouvoir faire ce que je dois faire. Et moi aussi, aujourd'hui, tu me donnes le courage de pardonner, pas seulement ceux qui ont tué ma mère et mon père qui m'a tué dans mon fort intérieur, parce qu'il m'a fait des choses, je le connais, on ne se connaît pas, moi et mon père, on ne se connaît pas, à cause de beaucoup d'histoires. Et il a violé ma mère et je suis née par l'acte de viol. Et ma mère avait 18 ans quand elle m'a eue. Elle était toute petite. Et tout ça, ce sont des blessures qui m'ont marquée. Et au moment où ma mère devait aussi avoir la joie de vivre, et c'est à ce moment-là qu'elle a été tuée pendant le génocide. Elle n'avait que 36 ans. Tout ça, ce sont des choses qui me faisaient du mal. Ce sont des blessures qu'on ne voit pas aller inhumer. Parfois, on chante, on fait ceci, on fait cela. Mais l'intérieur, il y a des blessures qui saignent. Et je peux bien te dire merci du fond du cœur parce que tu m'as donné cette chance de pouvoir libérer mon cœur de la haine et de l'amertume de colère que j'avais pour mon père et que j'avais pour du fait que j'ai perdu ma mère pendant le génocide alors que c'était le moment pour elle de vivre, à part tout ce qu'elle a vécu, à part tout ce qu'elle a souffert et tout ce qu'elle a fait pour moi pour que je grandisse dans les possibilités, dans toutes sortes de constances de la vie qu'elle a traversées. Et tout ça, aujourd'hui, je me sens libre. Et je te dis merci. Et je bénis Dieu. Je suis chrétienne. Ah, pas soi-disant chrétienne, mais... je suis chrétienne et je veux vraiment être une lettre lisible de la chrétienté dans le vrai sens du terme. Pas seulement le nom, mais il faut que mes actes se correspondent à ce que je suis en train de dire. Et que ça sort du fond du cœur et que ça soit sincère. Parce que la sincérité gagnera toujours. Et si vous pouvez me permettre juste quelques minutes, une minute. Il y a une chanson qui m'a toujours soutenue pendant le trajet de mes combats.
intérieure. C'est une chanson, c'est en anglais, mais les mots ne sont pas difficiles à comprendre. C'est une chanson chantée par une chanteuse qui s'appelle Mariah Carey. Et la chanson porte le nom de Hero. Chaque personne a quelque chose de spécial en lui. Et il ne faut vraiment pas laisser les gens stopper des bonnes choses que tu as en toi. Parce que ces ondes positives, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui en ont besoin, comme nous avons besoin du soleil, comme nous avons besoin de l'amour. Et à chaque fois que nous sommes dehors, quand il y a la chaleur du soleil, tout le monde est gai. Mais quand il fait froid et quand c'est noir, tout le monde veut entrer. Et il faut que nous soyons des vrais rayons de soleil dans le monde qui est plein d'obscurité. Et je vais chanter cette chanson. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you get to feel the side. And you know you can survive. So when you feel like hope is gone, just look inside you and be strong. And you will finally see the truth that a hero lies in you. Oh, love knows dreams are hard to follow. But don't let anyone take them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find a way. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you get to feel the side. And you know you can survive. So when you feel like hope is gone, just look inside you and be strong. And you'll finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. You. That a hero lies in you. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. Mais ce qui fait me fait, tu sais, je ne savais pas qu'elle pouvait dire, parce qu'on s'est parlé au téléphone. Moi, je connais son histoire. Tu t'imagines, son père a violé sa mère. Elle est née, elle n'a pas vu encore son père. Elle n'était pas prête même. Elle me disait au téléphone, non, comment je peux pardonner? Et voilà. Et voilà, merci pour la conférence. Tu vois, c'est la guérison ici. Et puis, une autre chose que je dois dire, Marilyn et les autres qui disent merci. Moi, je ne peux pas écouter, je vais vous dire, c'est une réponse. Je ne peux jamais prendre un crédit. Celui qui m'a dit de pardonner, je refusais.
C'est à lui de dire merci, pas à moi. Ne me dites jamais merci à moi. Si vous m'aimez, ne me dites jamais merci. Dis merci. Dis, ok, celui qui tu as obéi, merci parce que tu as obéi, celui qui t'a dit de pardonner. Parce que moi, je ne voulais pas. J'ai pris. Une autre chose, Régine, la femme de Vincent, elle aussi, elle a pardonné son Vincent à cause, parce que je lui ai dit, et parce qu'il dit, ok, Dieu, à travers toi, me dit de pardonner Vincent. Maintenant, je ne peux pas refuser ce que Dieu a dit. Donc, c'est à Dieu de dire merci. Même si tu ne crois pas en Dieu, mais crois en mon Dieu. Parce que là, il y a une question là-bas. Oui, merci. J'ai toujours la trouille de prendre la parole en public et je n'ai pas entendu une petite voix comme Jean-Paul. Mais je me suis dit, prends la parole. Hein? Donc je vais quand même raconter un peu comment j'ai décidé de venir à ces journées du pardon. Je m'apprêtais à envoyer un mail à Olivier après avoir lu maintes fois son livre sur la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Et je suis tombé sur ces journées du pardon. En 15 minutes, j'ai décidé de venir ici. Et je suis content d'avoir entendu le témoignage de Jean-Paul. Ça m'a un peu dit un peu ce que j'attendais, dans le fond. Parce qu'aux Antilles, nous avons aussi une histoire. Et il y a un devoir de mémoire réclamé à corps et à cri et une réparation, alors qu'il n'y a que le pardon à accorder. Mais quelquefois, il faut être deux. Et comme moi, je n'ai aucun souci, j'ai des parents de l'un et de l'autre. Je suis au milieu et de plusieurs races aux Antilles. Donc, je n'ai aucun problème de génération. Donc, je remercie Jean-Paul pour son courage. Merci. Merci beaucoup. Je précise quand même que Franz nous arrive donc de Martinique, c'est-à-dire qu'il a décidé en 15 minutes de venir et puis s'est réservé un billet pour venir à ses journées depuis la Martinique. Oh, merci. Une dernière question ? Oh là, il y a trois mains qui se lèvent. Moi, ce n'est pas une question. Je vais effectivement repiler encore un coup dessus, mais moi, j'ai envie de te remercier. Mais pour ton témoignage, pour ce que tu transmets, ce que tu apportes comme éclairage d'une certaine lecture, d'une certaine histoire, surtout par les temps qui courent, ce que traverse une bonne partie de l'humanité maintenant, je trouve que ça donne une vision de comment on peut vivre et regarder l'horrible, et comment on peut en faire du merveilleux, et plus que juste réparer du merveilleux, parce que je pense que vous avez été plus loin que juste encore réparer. Ça amène des choses, on est tous là pour ça, et vous, c'est par rapport à une histoire qui laisse des traces énormes, mais qui du coup est sublimée. Et pour ça, j'ai envie de dire merci, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'espoir. Ah, merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez, quand même, une ultime là-bas, tout à droite. Je voulais te dire que je pense à Claudia, que j'ai une petite Claudia à la maison qui s'appelle Ella, que c'est mon soleil, ma lumière, et qu'elle est mon guide pour la vie. Merci. Moi, j'ai simplement envie de dire merci à la vie, merci à ce qui nous donne l'occasion de nous retrouver tous ici. Merci à vous d'être là.
Voilà, je suis vraiment rempli de gratitude pour ces moments qu'il nous a donné de partager et à tout ce qui est visible et invisible et qui rend possible ces rencontres et ces moments de partage. Et puis je rappelle que Jean-Paul est encore avec nous, hein, aujourd'hui et demain. Oui. Voilà, donc on aura encore l'occasion d'échanger à bâtons rompus au cours des repas, des couloirs, des ateliers et de tout ce qui nous reste encore dans cette belle journée. Voilà, il nous reste une petite demi-heure à profiter avant le repas à midi et demi. Merci à vous tous. Merci.